Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, Chef de l'État, Chef suprême des armées, le Colonel Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président de la République sœur de Rwanda, Son Excellence Paul Kagame. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de la transition CNT, Mesdames, Messieurs les ministres membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du CNRD, Leur Excellence, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les hauts cadres ici présents, Mesdames, Messieurs les gouverneurs de Conakry et de Guinée, Mesdames, Messieurs les représentants de la société Cevitec, Messieurs les préfets, vénérés contigus de la Basse-Guinée et respectés religieux, Mesdames et Messieurs les officiers des forces de défense et de sécurité, Messieurs les sous-préfets et maires de Doubreka et Koya, Mesdames, Messieurs les chefs de quartier, citoyens et citoyennes de Doubreka et de Koya, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé. Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur et une satisfaction pour moi de recevoir dans la paisible et hospitalière préfecture de Doubreka les deux grands chefs de l'État bâtisseurs guinéens et rwandais. Au nom des populations qui vous accueillent, permettez-moi, Excellences, Messieurs les Présidents, de vous souhaiter la cordiale bienvenue et un agréable moment dans la préfecture de Doubreka. Mesdames, Messieurs, distingués hôtes, la cérémonie qui nous réunit ce jour 18 avril 2023, qui consacre l'ouverture de l'essentiel de Kabélé, est un événement majeur qui était attendu par les Guinéens, particulièrement par les usagers de la route nationale numéro 3, Conakry-Boké, et qui ouvre en même temps la nationale numéro 1. Ce magnifique ouvrage se trouve dans la préfecture de Doubreka, une localité située à 50 km de la capitale Conakry et qui forme aujourd'hui le Grand Conakry. Les travaux de construction de cette enceinte que nous inaugurons aujourd'hui ont débuté le 12 avril 2021 et ont connu assez de lenteur. Il a fallu l'avènement du CNRD au pouvoir pour avoir les travaux accélérés et nous voilà tous ici aujourd'hui pour son inauguration qui va fortement soulager les riverains et surtout les usagers de cette route qui ont traversé des moments de calvaire avec des embouteillages monstres et infinis. C'est le lieu de féliciter les autorités de la transition guinéenne et particulièrement le président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a conquis le cœur des Guinéens par son patriotisme en faveur du développement de la Guinée
et pour le bien-être de l'ensemble des Guinéens. Je tiens à féliciter aussi particulièrement le ministre des Infrastructures et des Travaux Publics pour la mise en œuvre et le suivi constant de la politique de développement des infrastructures routières en Guinée. Je citerai en exemple les travaux de construction d'un pont à péage sur le fleuve Concouré à Tanené-Bouramaya. Encore sur la nationale numéro 3 et un autre sur le fleuve Sumba par les autorités de la transition. Pour ne citer que ceci, nous comptons encore assister à beaucoup d'autres inaugurations ici et ailleurs. L'espoir est permis avec les nouvelles autorités du pays. À sa tête, le colonel patriote Mamadi Doumbouya, l'homme de la solution. C'est l'occasion pour moi de solliciter auprès des ministres en charge de l'habitat, des travaux publics, un appui pour le déguerpissement des boutiques et des magasins aux abords de l'Essangère pour rendre plus visible ce bijou qui fait notre fierté et qui facilitera la mobilité urbaine dans le Grand Conakry. Mesdames et messieurs, distingués hôtes, je voudrais, pour terminer, dire grand merci à notre hôte, le président rwandais, son Excellence Paul Kagame, le champion, qui nous a fait l'honneur d'assister à cette grandiose cérémonie. Mes remerciements vont également aux populations de Grand Conakry qui ont effectué une grande mobilisation pour la réussite de cet événement. Je prie Dieu pour vous tous qui avez effectué le déplacement, que Dieu le Tout-Puissant Allah vous protège pour un bon retour dans vos familles respectives. Que Dieu bénisse la Guinée et son président. Vive la coopération internationale, vive la solidarité africaine, vive le développement africain, vive la coopération guinéenne-rwandaise, vive le président Paul Kagame, vive le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel des colonels, Mamadi Doumbouya, je vous remercie. Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées de la République de Guinée. Excellence monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Mesdames et messieurs les membres du CRD. Excellence monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux Publics. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Excellence monsieur Huang Wei, l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Distingués invités, mesdames, messieurs, je suis très honoré et heureux de prendre la parole à la cérémonie d'inauguration de l'échangeur de Kabylie, qui fait partie du projet de reconstruction et de réhabilitation des voiries urbaines et construction des échangeurs de Kabylie et kilomètre 36 de Conakry. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude du fond du cœur à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées de la République de Guinée, et son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, pour leur présence à cette cérémonie. Ce projet prioritaire de voirie fait partie de l'accord cadre sino-guinéen. Il est exécuté par la société Civitec sous le contrôle de Aegis International. Il est piloté conjointement par le gouvernement guinéen et le gouvernement chinois.
coordonnée par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, financée par le consortium bancaire, à savoir SIBC, Exim Bank et Sinosur, en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, et l'administration et contrôle des grands projets. Une centaine de travailleurs chinois et un millier de travailleurs kenyans de la Civitec ont déployé leurs efforts afin de livrer aujourd'hui un nouveau star de qualité qui contribuera à améliorer la fluidité du trafic avec sa mise en circulation immédiate. Nous sommes heureux d'être là pour célébrer ce moment historique. Je saisis l'occasion qui m'est aujourd'hui offerte pour remercier le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées de la République de Guinée, et l'ensemble de son gouvernement pour leur engagement dans la réalisation du projet. Mais aussi remercier son excellence, monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, pour son soutien à la réussite du présent projet. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier tous les partenaires et les participants qui ont contribué de par leur savoir-faire et intervention active dans la réalisation du projet. La société Civitec International vise à accompagner le gouvernement guinéen dans son développement dans différents secteurs et continuera à apporter sa contribution à la coopération économique et sociale des deux pays et au grand bénéfice du peuple guinéen. Je vous remercie. Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un grand honneur et un immense plaisir pour moi d'être parmi vous pour cette cérémonie d'inauguration de l'échangeur de Kabylie. Je me permets tout d'abord d'exprimer mes félicitations et mes sincères remerciements à tous ceux qui se sont engagés dans la réalisation de ce projet routier. Faisant partie du projet de reconstruction et de réhabilitation des voiries urbaines de Conakry s'inscrivant dans l'accord cadre citoyen, les travaux de l'échangeur de Kabylie ont été lancés en octobre 2019 par la société chinoise Civitec. Travaillant côte à côte pendant plus de 3 ans, les constructeurs chinois et guinéens, en surmontant toutes sortes de difficultés, notamment la COVID-19, se sont activement investis dans ce projet d'infrastructure routière. Comme l'un des deux carrefours routiers principaux reliant Conakry et l'un des rires du pays, l'échangeur de Kabylie accordera beaucoup plus de facilité de déplacement à la population guinéenne et permettra l'amélioration des conditions de circulation au niveau local, national, même sous-régional. La Chine et la Guinée sont de bons amis, de bons frères et de bons partenaires. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 64 ans, la Chine a fait tout son possible pour aider la Guinée au développement socio-économique et à l'amélioration du bien-être de la population. Actuellement, la Guinée se trouve dans une période de transition. La Chine soutient fermement le peuple guinéen à la recherche d'une voie de développement adaptée au contexte national et continue de fournir
une assistance à la Guinée dans la mesure de ses capacités, afin de approfondir notre partenariat stratégique global sino-guinéen au bénéfice des deux peuples. Vive l'amitié sino-guinéenne, vive la coopération entre la Chine et la Guinée. Je vous remercie. Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, monsieur le Président de la Transition, chef d'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbia, mesdames et messieurs les membres du CNRD, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de corps diplomatiques et consulaires, mesdames et messieurs les autorités préfectorales et communales, mesdames et messieurs, en vous rend titre grâce tout protocole observé. Conformément à la feuille de route du gouvernement de la transition déclinée dans le programme de référence intérimaire sous le leadership du président de la transition et du premier ministre chef du gouvernement, notre département est fortement engagé dans la construction, la réhabilitation, l'entretien des routes et des voiries urbaines, la construction d'ouvrages, de franchissements et d'autres infrastructures. À cet égard, le gouvernement va investir au titre de l'exercice budgétaire 2023, plus de 4 000 milliards de francs guinéens dans le secteur des travaux publics. Ainsi, le ministère des Infrastructures et des Travaux publics sera amené dans les prochaines semaines à l'achèvement et à l'inauguration de plusieurs infrastructures, notamment le pont sur le fleuve La Sumba à Dubreka, la route Koya-Farmoria frontière Sierra Leone, le pont sur le fleuve Sankarani, le pont sur le fleuve Milo à Kérouané, les échangeurs du kilomètre 36 de Bambeto et le lancement prochain des travaux de la corniche Hamdallaï, Sonfonia, y compris l'échangeur de Hamdallaï. Ces réalisations s'inscrivent dans un vaste programme d'aménagement et de développement des infrastructures qui contribue à coup sûr au développement harmonieux et équilibré sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'occasion de remercier les forces de défense et de sécurité, l'administration et le contrôle des grands projets ACGP, les usagers de la route et les populations riveraines pour leur patience, leur soutien et leur adhésion au programme de développement des infrastructures routières prôné par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et le gouvernement. Je voudrais inviter tous et chacun à préserver cet ouvrage qui va significativement contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef d'État, chef suprême des armées, et monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Gomont, pour leur appui sans faille et leur leadership pour l'accélération et la finalisation des chantiers.